concentrez-vous plus souvent, entraînez votre muscle à vous concentrer sur des choses, sur les bons aspects de la vie, sur les bonnes choses, sur ce qui va bien. J'entends souvent, il n'y a rien qui va bien dans ma vie. Ben, t'es en vie, là. Ouais, ben ça, c'est normal, c'est un acquis. Je suis habitué à être en vie. Il n'y a rien qui va bien. Tes parents sont en vie? Oui. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle, j'ai pas l'héritage. Oh, j'ai entendu ça une fois. C'est pas une bonne nouvelle, mes parents sont en vie, j'ai pas reçu d'héritage. Oh, je vous promets que c'est vrai. Alors, il y avait un long travail à faire en coaching là derrière, mais je vous promets que c'est vrai, j'ai entendu ça une fois. Je crois que mon cœur, il s'est arrêté de battre. Poum. Vous savez, en 25 ans de coaching, j'en ai entendu des choses. Donc surtout, attention à ne pas laisser faire votre subconscient, à vous mettre sans arrêt dans des situations où vous ne voyez rien. Qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Numéro 3, c'est s'habituer à voir les choses qui vont bien. J'ai embrassé mes enfants ce matin, il y a un beau soleil aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne, j'ai un toit pour dormir. On a tendance à banaliser, on est des gosses de riches dans les pays occidentaux.